Oh, salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes chaud? Ben moi ça va super bien, on est motivé pour l'épisode 4 de la saison hardcore, la saison galère évidemment. Je voulais remercier à ceux qui se sont follow, qui seront peut-être pas sur le live, mais qui se sont follow hors line. Ben donc merci à vous, merci à tous. Je tenais aussi à remercier tout le monde du soutien, de vos commentaires sur les vidéos YouTube, enfin tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis là, on va lancer la game en espérant que le serveur soit pas full. Nice, on est rentré. On est rentré. Je vais vous virer le filtre vite fait. Même si je suis en plein dans le bunker et que ça peut être dangereux. Évidemment, on était. Ah, c'est mon estomac. Putain, je crois que c'était quelqu'un. Évidemment, on va juste faire l'armure et on se casse. C'est ce qui nous intéresse le plus. Chargeur de MP5. Là, c'est plutôt pas mal. On va pas cracher dessus. Alors, le gilet qui est par terre est vraiment top. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire en fait. Il est vraiment top, c'est l'un des rares gilets qui vous permet de ne pas mourir sur une mine d'un coup. Par contre, il est ultra lourd et c'est une grosse galère à porter. Donc, vu la difficulté déjà qu'on a avec le personnage, on va peut-être éviter. Il nous reste un tournevis. On va mettre juste un petit coup de crochetage. Allez, on est good. Allez, allez, allez. Pas mal. Si on pouvait savoir ça à chaque fois, c'est déjà pas si mal. Alors, je vous avoue que j'ai pas pu. Oh! Il y a quelque chose de posé là. Fusil à pompe. Alors, je me demande si en fait, on sera pas mieux caché. Ouais, c'est peut-être mieux ce type de veste. On va la réparer. Le fusil, on va pas pouvoir le prendre. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on est full bouffe. C'est pas très utile, mais. Allez, c'est reparti. Aujourd'hui, le but du jeu, si vous l'acceptez, ça va être qu'on. Tiens. Mon lit était détruit. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a du passage. On va aller se délouter et puis on va aller faire un petit tour en ville, même si ça va être un petit peu chaud. Là, je vois qu'il commence déjà à avoir faim. Bah, tant pis, on va tout manger jusqu'à ce qu'ils disent que ce soit dégueulasse. On n'a pas trop le choix, ça va libérer des slots en plus. Je vais m'arrêter juste avant qu'il soit au max dans les vomis. Et là, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, ça passe, allez, allez, allez. Allez, on va presque tout manger. Mais bon, du coup je pense qu'il a jeté le reste, on est good. On n'est pas encore sorti vivant, hein, évidemment. On vient assez souvent, mais à chaque fois je me rappelle plus par où on doit sortir. Je crois que c'est par là. Combien il nous manque aujourd'hui? Faut quand même suivre de près le côté survie. 54%. On n'y est pas encore. On va essayer de sortir vivant. Déjà, ce serait pas si mal. On va en profiter. On va prendre tout de suite quelque chose pour l'eau. Tant qu'à faire. On a besoin, on va pas s'en priver. Par contre, est-ce qu'il met longtemps à manger les concombres maintenant? Tiens, le bout de viande, il a totalement bugué. Il me donne aucune calorie. Vous avez vu? Ah, c'est intéressant de savoir ça.
C'est-à-dire qu'elle était tellement, à mon avis, périmée. Ça passe, ouais. Elle était tellement périmée qu'en fait, elle donne plus de... Elle donne plus rien. Ok. Bon. Ben, on le saura. Y a plus de propriétés caloriques. Allez, on fait ça et on se casse. On va essayer de tenter de faire un tour dans la grande ville aujourd'hui. Je trouve qu'on trouve quand même pas mal de balles. Bon, malheureusement pas les balles, les armes qui vont avec ou autres, mais c'est pas plus mal. Je suis obligé de tout prendre parce que comme on peut pas les crafter, on n'a pas trop le choix. Mais là, c'est pas au bon endroit encore. Ah ouais. Ok. Je me suis trompé de chemin, c'est pas très grave. Chargeur de Glock, ça c'est très important. Parce que rappelez-vous, on a réparé un Glock. Sauf qu'on n'a pas de chargeur. À mon avis, on doit pas avoir beaucoup de balles non plus, donc. Mais au moins. On a un gun qui va fonctionner. Si on va presque remplir le chargeur du coup. Hop, on est bien. On va continuer à bouffer des champignons puis il a soif. On va essayer de tout remonter le temps de sortir. Je sais pas comment on va courir un peu. Je me suis trompé de chemin. Ouais, la bouffe, c'est limite obligatoire maintenant. Le Nexus. T'as réussi à régler ton problème. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on avait trouvé des JVN. Ça, c'est top. Pour une fois. J'aurais bien trouvé un petit tournevis quand même. Yo! L'escroc! Salut Matsu! Alors Matsu, je sais pas s'il veut. Il y a encore des pubs! Jure, c'est vrai. Ou tu me trolles dès le début. Salut chat! Non, ça c'est pas normal ça. Attendez. Laisse-moi 30 secondes. Non, prochaine pause tab, je vais aller regarder ça. C'est pas normal. Le truc, j'ai désactivé 10 fois quoi. Surtout que ça rapporte rien. J'y gagne rien quoi. Si je crois qu'en un an j'ai gagné 4 euros je crois. 4,40€. 4 dollars, pardon, pas 4 euros. Putain, pardon. Ouais, le bot il est pas au top de sa forme le bot. Non, je vais regarder tout de suite après, c'est pas normal qu'il y ait les pubs. Bon, lui, il a toujours autant de mal. C'est pas grave. Il va finir par être en forme un jour. Super, il fait nuit. Génial. Heureusement qu'il y a des JVN pour une fois. Hein. Par contre, je vais juste les éteindre pour voir le. Je sais plus si on arrive à passer du premier coup d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être la galère. On va le nourrir un petit peu le papy là. Putain, il consomme beaucoup là, il a chaud ou ça se passe comment? Ouais, il fait 14 degrés, c'est correct. Regardez, il consomme 200 millilitres d'eau. La bouffe, ça va. Ça va monter. Ok, je vais être obligé de mettre les JVN. Non. Tu sais que. Ah, mais là, tu l'as pas, t'es VIP. Mais quand t'as un an d'abonnement, en plus, t'as un truc spécial. Enfin,
Une icône spéciale. Salut Charo! Je sais pas si tu parles de moi, mais. Ouais, un mec qui s'est joué en LAN, tu sais que je suis toujours avec mon personnage bras cassé là. Attendez. Putain, le personnage il est tellement nul que dès qu'il bouge, même les mechas me crapent. Allez! Allez, papy! Ah, c'est la vraie galère, hein. Oh, il y a un mec. Avec mon tracteur, je suis dans la merde. Hein. Bah ouais, bien sûr. En fait, il fait jour ou il fait nuit? Ah, il commence à faire jour. Ok. Génial. Super. Ah, il tabane carrément. Putain, on voit rien du tout. Puis comme il est nul en perception, j'entends même pas les bouts de pas. Bon, d'habitude, j'y vais pas en rampant comme ça, mais là, j'ai pas trop le choix. Hein. En espérant qu'il était seul. T'as besoin de pisser, mais t'es sérieux, toi? Toi, on te fait pisser, on te fait chier, on te fait bouffer pendant tous les épisodes. Et là, qu'il y a un mec, faut que ce soit maintenant, quoi. Là, je vois pas de mouvement, hein. En fait, j'hésite à sortir par là parce que j'aimerais bien traverser la pampa, mais il est trop lent. Et en bas, il y a trop de buissons. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment en mode petite frappe, mais j'ai pas trop le choix. Hein. À mon avis, je suis pas caché du tout là. Ouais. Je suis aussi visible que le nez au milieu de la figure, quoi. Salut Jimmy. Bon. On va s'éloigner un peu, hein. Je pense pas qu'il ait essayé de faire un... qu'il ait essayé de contourner. Ouais. Tu sais qu'avec le week-end scum gratos, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Putain, regardez, et là je cours à fond là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la. Je vais prendre un petit peu de hauteur, voir si je vois quelque chose. Il avait l'air de courir un peu plus vite que moi déjà. Ah mais il y a des mecs en plus qui sont mauvais hein, ou pas très bons, c'est pas, enfin tout le monde a le droit hein, mais quand tu leur donnes des conseils limite ils t'insultent. Ouais, tu connais rien, t'es qu'une merde.
Ok. Ah d'accord. Bon, peut-être tu passes sur un stream sympa d'un mec qui sont deux, tu vois. Tu leur donnes deux, trois conseils, mais non, tu comprends rien. Ah d'accord. Ouais, tu fais pas d'effort. Essaie de les comprendre. Bon. C'est pas tout, mais je crois qu'il s'est barré. À moins qu'il fasse le tour et qu'il me prenne par derrière. Sans faire de jeu de mots, hein. Arrêtez tout de suite vos conneries. Mais là, je suis à fond, je cours, hein, sans blague. Hein. Ah, mais je vois tout à fait le genre. J'ai vu le cas comme ça, et en fait, je l'ai tellement vu galérer, je l'ai fait, vas-y, je le laisse dans ta merde. Je me suis barré du stream. Le problème, c'est qu'il faut short plein ouest. En fait, c'est parti dans le sens où. Bon. Je vais garder encore les JVN parce que je pense que j'ai un tout petit avantage si on voit quelque chose dans un buisson. Mais là, le soleil se lève de ouf. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas le droit à l'erreur tellement il est dans. Ouais, gros! Non mais tu connais rien gros. C'est pas comme ça gros. Ouais je vois le genre. Enfin, moi mon personnage est gros mais j'ai le droit de le dire ça. Bon Matsu, c'est toi qui as les meilleurs yeux de tout scum. T'as pas vu le mec passer là? Oui, je sais qu'il était à côté de moi, mais il s'est barré. Parti en courant vers le bas, là. Le problème, regarde, c'est que mon personnage, à peine je marche, il a plus de stamina, quoi. Putain. J'aurais dû faire un personnage full skill au lieu de faire un zéro skill, quoi. Non, il est parti, il est parti. Il est parti, on l'a entendu courir. Je récupère ma stam et puis hein. Stamina, waka. Ah, il est fort, j'en fous. Ça va, mec? Bon. Lui, je crois que ça vaut vraiment le coup de lui retirer l'arme des mains parce qu'il est tellement long déjà avec. Je me mets volontairement pas dans les buissons parce qu'il fait trop de bruit. Un prépu. Putain, mais il y a vraiment des. Ouais, bref. Non, mais je vais reprendre le chat. Je vais me casser d'ici, moi. Là, il y avait du gibier pour eux, là. Ils allaient où? Ouais. Direction... l'espèce d'airfield, à la base. Putain, vas-y, cours! Non, mais sérieux! Tu t'arrêtes comme ça, en plein milieu. Ah, ouais. Ah, c'est mort. Mon père... Mon perso, actuellement, hein, s'il... Attendez.
C'est moi ou j'ai entendu le véhicule s'arrêter de... Ah non, ça tire. Ah ouais. Ben, ça va être sympa aujourd'hui. Mon perso, franchement, il est bon pour faire une raclette party. Non, ou pour le moment, il est bon à rien. Tu sais, à camper et attendre derrière un mur que quelqu'un passe. Franchement, pour le moment, il est bon qu'à ça, quoi. Je suis à vous. Évidemment. Eh, mais c'est incroyable! Incroyable! La vue. Putain! Ah, les bâtards! C'est le mec qui a commandé et le drone et le cri en même temps, quoi. Moi, je me casse. Putain, c'est pas possible. Il me troll trop, ce jeu. Il n'en a rien à foutre. Par contre, c'est. Où est-ce qu'il est parti, le mec? C'est pas possible, quoi. Bon, visiblement, il n'a pas un snipe, seulement il nous reste déjà couché. C'est dingue, quoi. C'est qui a fait le bruit là? Bande d'escrocs. Ça sent. Soit il y a Cédric en mode zoom zoom. Bien, bien, bien. Allez, et tu shootes tu shootes maintenant. là. Tu shootes. Ouais. Ouais. Allez, viens. Ah, beau gosse. C'est bon, toi. Ah, c'est Messi ou PSG, ça. La team recrue. J'allais dire, soit c'est Cédric, soit c'est LX. Salut Dad! Salut Bender, putain, vous êtes chaud déjà. Bon, véhicule, il va nous laisser tranquille, visiblement. Vas-y, il a faim et la soif tout le temps, j'en ai marre. Putain, mais t'es casse-couille, mec. Je pense que je vais le noyer dans la rivière. Ouais. Il est chiant. Il passe son temps à bouffer de la farine tellement. Tu sais, je vais donner de la viande tout à l'heure, rien. Ça servira à rien. Putain. Les mecs, franchement, s'il y en a un parmi vous qui a envie de faire une game hardcore, le faites pas. Franchement, la 0.5 à côté, c'était. Ah non, pas le requin. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez là l'autre jour, mais. Il y en a un qui m'a dit, tiens, mets le son des dents de la mer. Et je mets le son. Et j'étais dans l'eau, hein, je nageais. Et le requin est arrivé pile au même moment, quoi. C'était le truc improbable. Bouffer dans la rivière, regardez, il y a des piranhas. Blague à part, merci pour les sons, parce que ça me troll, mais c'est aussi du soutien pour la chaîne, merci beaucoup. Je sais pas qui c'est, mais je le verrai tout à l'heure. En attendant, moi je mange de la farine et des champignons. Hein. Ouais, ça passe. Ouais, tous les sons, tous les petits trucs à la con. Salut, Dad. Bah, tout ce qu'on fait passe sur YouTube. C'est-à-dire que quand je remets les vidéos, c'est à l'identique que ce que vous vivez ici, quoi. C'était quel épisode d'ailleurs? Ah, c'était le 9. L'épisode 9 de 0.6 avant que je fasse la saison hardcore. J'avais trouvé un radeau. Enfin, j'ai spawn, il y avait un radeau, un mec qui avait fabriqué un radeau. Je me suis. Ah, c'est Bender, c'était toi. Je me suis barré avec le requin. Le requin. Je me suis barré avec le radeau. Et puis on trouve une épave, tu sais, les trucs abandonnés militaires. Et là, il y en a un, il dit, ouais, les dents de la mer. Et je balance moi volontairement le son, parce que je peux aussi les jouer, quoi. Et on plonge, mais genre 2 secondes après. Putain, ça rôde dans le coin. Et 2 secondes après, je me suis fait pécho par le requin, quoi. Ah ouais. Mon personnage, il a 0 en fusil, même d'ici, je ne touche pas qu'un Aesval. Alors déjà, quand t'es à full. Quand t'es full, c'est chaud. Non, par contre, bon. Petite mine. Un de ces quatre, même si je suis pas là quand elle pète. Si tu peux faire rager des mecs quand ils jouent, c'est toujours ça de près. Hein. On va couper. Attends, il a passé le slam pour traverser le con. Les mecs, ils repassent, je suis cuit. Ah, c'est vrai que j'ai oublié, maintenant, il vaut mieux se coucher à plat ventre. Parce que on récupère la même stam, mais on peut manger en même temps. Vous avez vu? C'est déjà passé à 1,1 partout, on a commencé à 0. On y croit, les mecs, on est bien. Bon, toi, tu vas lâcher ça. Les défis des points de chaîne, lesquels?
Un de tes... Ah non. Regarde, Charo. J'avais mis 1, 1, 1, 1. Bon, après, tu peux mettre 1. Mais en plus, j'ai mis 0 partout. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre un point quelque part, tu vois. Mais 0, 0, 0 et 0. Donc, toutes les barres étaient à 0 quand j'ai commencé le personnage. C'est ça. Bah, de toute façon, le but, ça va être de jouer en mode vagabond. Hein. Donc là, on va essayer de monter la survie pour faire au moins des logs bronze pour m'enfermer dans une maison pendant que je campe. Et après, bon, tu peux faire des mines. Mines assez rapidement. Sur bronze assez rapidement. Coffre en bois assez rapidement. Donc, on va dire le B.A.B.A. pour aller faire chier en solo. Tu peux l'avoir, mais j'ai commencé avec rien du tout. Là, techniquement, si je voulais avancer un peu, je me mettrais en forêt, je ferais des coffres en bois ou des chaises et des machins pour augmenter la survie et pour aller rapidement faire au moins des locks, parce que là, pour le moment, les canards, je les ramasse même pas, ça sert à rien. Bah, déjà, il y avait ça, le chat. Donc, quand on avait fait la saison hardcore sur 0.5, il y avait quand même des skills qui étaient attribués. Et la deuxième chose, c'est que le métabolisme était beaucoup moins complet. Là, tu sens, je te jure, que pour jouer, et ça fait beaucoup d'heures que je joue, j'ai l'impression, c'est comme si vous aviez en permanence un sac de briques plein, c'est-à-dire genre 70 ou 80 kilos sur votre personnage, et donc en fait, il a tout le temps faim, il a tout le temps soif, il n'a pas de stamina, il court pas vite. En gros, c'est ça. Vous jouez avec un mec comme ça en permanence pour le moment. Et c'est vraiment emmerdant. Alors ça permet de voir aussi son évolution, ça met un peu plus de pression, tu es obligé de jouer différemment. Mais quand tu vois un ennemi, tu peux pas le courser. Comme bon jeu sympa, bah. Et en plus tu les as, hein. T'as Tarkov qui est très bien. Alors, je vous passe une info parce que j'en avais parlé sur ma chaîne en découverte. Mais s'il y a des joueurs qui aiment beaucoup le PvE dans les jeux de survie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de PVP, il n'y en aura pas. Hein. Le jeu a été fait sans PVP. J'avais parlé il y a peut-être d'un an d'un jeu qui devait sortir cette année et qui sort cette année. Je ne me suis pas trompé sur les prédictions. Ouais, pour une fois. Ça s'appelle Icarus. C'est l'un des devs de DayZ. Alors c'est pas une bonne publicité, hein. Je vous le dis, hein. Mais qui est parti de DayZ, qui a fait un très très bon jeu. Et là actuellement il est en bêta. Donc tous ceux qui le précommandent vont pouvoir jouer un mois avant. Il y a pas mal d'infos qui tournent sur le jeu. Et il a l'air vraiment sympa. Pour information, je ne le ferai pas. Parce qu'il fait que du offline. Sinon, je vous aurais fait une vidéo dessus, machin et tout. Donc bon, j'ai contacté les devs s'ils veulent m'envoyer une clé gratos. Bon, j'y crois pas. Sinon, je ferai un test. Sinon, je l'achèterai pas. Mais très très beau. Graphiquement, ça ressemble à... C'est même un petit peu mieux que Scum, j'ai l'impression. Après, vous avez bah, quand vous cassez de la roche, vous voyez les morceaux de roche cassés, les arbres tombent, enfin, des choses qu'on peut difficilement mettre dans des jeux PVP parce que ça prend trop de ressources. Des jeux en ligne, pardon. Mais sinon, voilà, si vous aimez le jeu PVE, allez voir. Hein. Il est sorti il y a 3 jours et il sortira définitivement. C'est une petite bêta hein, parce que le jeu est prêt le 1er octobre de mémoire ou le 1er novembre, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai tout commencé à 1, pardon. Salut Tchetch, j'avais pas vu. Ouais, il est sur Steam. Je vais vous mettre le nom, je vais vous l'écrire comme ça, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et il est beau, hein, vraiment très beau. Hein. C'est pas. Enfin, sincèrement, il y aurait un mode en ligne dessus. Alors, il y a un mode coop, hein, mais pour moi, le coop, c'est pas en ligne. C'est-à-dire que tu as des missions que tu pourras faire en groupe. Mais il y aurait un mode en ligne, je l'aurais pris direct. Juste pour. Parce que ça change et que le jeu est vraiment très beau, quoi. Bah voilà, c'est pour ça que je l'achète pas. C'est que pour ça. Hein. Maintenant, je l'aurais déjà téléchargé. Il est sorti le 28 août. Donc, en fait, il y a 2 jours. 27 ou 28. Donc, il y a 2 ou 3 jours. Par contre, je suis inquiet là. Il n'y a plus mon coffre. Ah, les bâtards, rien de cheater qui passait dans le coin. Ou... Ah non, c'est vrai. Bon. Déjà que j'ai pas beaucoup de stuff, si en plus je me fais dépouiller. Dead Matter.
Exactement, c'est ça le chat. Et en fait, il est sorti là. Mais genre, il est sorti ni vu ni connu. Comme si de rien n'était, quoi. Là, les gros jeux que j'attends, bah, c'était Icarus, mais. Alors, à l'époque où j'ai fait. Comment dire? Alors, il me reste l'appel ou pas? Ouais, super. À l'époque où j'ai fait la review, la petite vidéo, il n'y avait aucune info sur le jeu. Bah, c'était il y a plus d'un an. Et puis là, il est sorti genre en zoom zoom. Mais il est prêt, il est magnifique, il n'y a pas de bug pratiquement. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet, donc je fais un peu de la pub pour les autres, n'hésitez pas. Ah, The Day Before, effectivement. Ouais, The Day Before, il y a Dead Matter qui doivent sortir. Mais vous allez voir que. J'attends que ça sorte, hein. Mais t'as des devs qui te mettent l'eau à la bouche, mais je vois pas comment The Day Before, vu comment il est fait, sera un jeu en ligne. Pour moi, ça sera un jeu à la Days Gone, à la Icarus, à la. Un jeu survie de solo, quoi. Non, non, il est naze. Merde, j'ai pas le droit d'en parler. En fait, non. C'est pas qu'il est naze. C'est que je pense que quand il sera fini, il sera très bien. Hein, un vrai concurrent de Scum, même si ça sera pas du tout le même style. Hein. Par contre, ils ont lancé la bêta trop tôt. Et dans la bêta, elle était très, 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 très loin d'être ne serait-ce que jouable. Voilà, c'était une mauvaise bêta, donc tout le monde a pété un peu les plombs parce que c'était la merde en bas. Voilà, il faut dire ce qui est. C'était nul, nul, nul. J'avais dit que j'avais un Glock, je crois. Ouais, il est là. Voilà, bon, on n'a qu'un chargeur. Mais du coup, on va le prendre. Quoique, est-ce que j'ai pas plus de balles de 9 mm? Attends. J'ai un magazine de N9. Avant de me mettre à charger, je vérifie vite fait. Parce qu'en plus, je suis en pleine pampa. Non, j'ai pas de balles. Ça sert à rien. Donc, on va laisser ça ici. On va sortir juste avec la SVAL. Le 9 mm. Alors, vous m'avez compris. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je pose. Ça, jette cette balle sur moi. Ça, je garde. Désolé. Hein, là, je regarde pas vite. Je regarde pas du tout le chat. Je pose ça à l'arrache. J'ai pas besoin des haches sur moi. Chargeur de M16, je crois. Ah oui. Nice. Ça en pose. Ça aussi. Je rangerai plus tard, tant pis. La bouffe, on va garder sur nous. La pelle pour réenterrer. De l'eau. Je suis obligé de garder tout ça sur moi maintenant. C'est incroyable. Ça, je pose aussi. Voilà. On y va comme ça. Tac. Ouais, j'ai un petit chargeur pour le M16, j'ai juste pas les balles. On n'a pas le petit chargeur, je viens de foutre là-dedans, j'ai le M16. Et il manquera plus que du coup le. Ouais. Ah, mais attends, j'ai un MP5 aussi, hein. Parce que je viens de trouver un chargeur de MP5 là. Regardez. Tac. Tac. Ça, c'est pas mal, hein. On va bientôt pouvoir. Ouais, Deadside, on n'en parle pas. Hein. Ça sert à rien. Tac. Je crois que j'avais même le ride du MP5 quelque part. Il est là. Et je commence à regarder. J'ai un M16 presque équipé. Hein. Bon, j'ai qu'un chargeur. Hein. Tac. Il manque plus qu'un petit viseur. On est bien. Hein. J'ai du SVD, balle de SVD. Bon, le reste, c'est de la merde. Ouais, j'en ai pas. J'ai pas. De toute façon, j'ai même pas un chargeur plein, donc. Ouais, ce qu'on trouve pas pour le moment. J'ai quand même deux chargeurs de SVD, ça c'est cool. J'ai 8 balles par ici. Encore 4 balles là. Ouais, j'ai un chargeur plein de SVD en plus. Et on va aller faire un tour dans la grande ville pour le fun. Ouais. Mais Dead Matter, ouais. Franchement, je pense que le jeu sera utilisable d'ici encore au moins, pas avant un an, quoi. Mais quand je dis un an, ça veut dire là, on est fin 2021, fin 2022, quoi. Icarus, voilà, pas du tout le même style, mais plutôt agréable. Enfin, du peu que j'ai vu.
Ça valait le coup de pour les joueurs PVE de passer du temps dessus. Et je sais pas, après, y a pas grand chose. Malheureusement, c'est que les joueurs scum aiment scum, mais ils aimeraient. Enfin, ils aiment scum parce qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Ils aimeraient voir autre chose, quoi. Non, je dois pas faire de rails ici. Je peux même pas les faire, de toute façon. Je peux même pas faire les rails basiques. Il faut que j'augmente 2 skills. Là, ce qu'on va débloquer rapidement, ça va être ça. Donc là, je pourrais faire les rails et silencieux. Et surtout, sac improvisé. Les locks en bronze. Donc ça va être la prochaine. Stay out. Je connais pas ça. Il est à fond, là. Oh là là. Faut que je bouffe ce que j'ai sur moi. Ça fait du poids. Il est ultra lent. Sérieux? C'est lui qui a pété là? Ah, je savais pas qu'il avait mis moi. Moi j'avais préparé des sons genre. Mais il vient de me lâcher une caisse comme ça. T'imagines, t'es en train de camper un mec, tu lâches une caisse comme ça là? Ah, je peux même pas faire l'atelier, je crois. Je peux même pas faire. Non, je peux rien faire. Là, je peux. Là, je vais juste upper mes skills de survie pour avoir ça déjà, pour faire les locks. Et ça, je pense que c'est dans engineering. Donc, il faut que je construise des faux murs, des machins et tout pour faire les rails. La fausse lunette. Bon, les mines, ça, on peut le faire. Donc, même en étant mauvais, on peut faire des mines. On peut faire des balles de neuf. C'est pour ça que d'avoir le MP5, c'est pas si mal. C'est les seules balles que je peux crafter. Donc, on va se démerder avec ça, hein. Ouais, pour augmenter la survie, ouais. Attendez, faut que je bouffe ça, c'est lourd ça. Vas-y, je vais écouler tout ce que j'ai en bouffe là. J'aurais dû laisser les JVN, je suis vraiment un tocard. Putain. Oh là là, il est à fond, mais c'est horrible. Non, mais regardez-moi ça! Et le pire d'être lent, c'est qu'il s'essouffle vite. Bon, c'est quoi? Stay out, c'est bien ou pas? Attendez, deux petites secondes, j'ai fait un stream de noob aujourd'hui, j'ai oublié de prendre mon sponsor, j'arrive tout de suite. Il est là le sponsor. Always Coca-Cola. Bon les mecs, quand vous voulez pour me payer, hein. Putain. Continue par là, hein. Continue de manger aussi. Ah, il voulait que je pisse et que je chie, j'ai oublié. Non, surtout caca. On va faire popo. Prochaine pause. Eh, c'est une bouteille par stream, les mecs. Il faut. Enfin, je sais pas, il faut rincer ou au moins offrez-moi les bouteilles, quoi. Je sais pas, quoi. C'est exactement ça. Je fais du ASMR, moi. Là, je dépais, je rote. Ah, il est chaud le personnage là. Bon, l'eau c'est bon. Oh putain, ouais, ça monte vite, hein. Ah, j'ai peut-être trop pris de. Ah putain, mais jette le tronc, du con. Ah ouais, je l'avais pris pour pas rester à côté de mon coffre pour. Oh, vous avez vu la différence là? Non, il n'y en a pas. Putain. Ah ouais, t'es essoufflé parce que t'étais en train de faire caca. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, ça monte comment là? On est presque à 1,2 là. Magnifique. Magnifique. Ouais, survie, ça n'a pas augmenté. Faut que je vais découper tous les aides là aujourd'hui. Bon, ça monte doucement. Furtivité. Ah, incroyable.
Vous vous rappelez sur la 0.5 qu'on mettait quand on mettait 5 points ou rien du tout, ça changeait rien. Là, quand vous êtes à 0, vous bouchez dans le bush, le mecha il se retourne direct. Hein. Mais genre, il blague pas quoi. Donc, ça c'était pas comme ça avant. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Depuis tout à l'heure, je vais pas au bon endroit. Personne ne me dit rien. Hein. Vous êtes aussi bon que moi en. Comment dire? En orientation. Hein. Ça pour faire des blagues sur le coca et l'épée, il hein, y a du monde. Hein. Bon. Ah, j'ai combien de kilos de trop là? Je crois 34 kilos. J'aurais même dû déposer la veste, regarde. Ça fait 2 kilos. 1 kilo 2. Le casque 1 kilo, 2 kilos 4. On l'appelle, on est obligé de la garder. De manger. Bah du coup je vais peut-être jeter la citrouille. Hein. C'est 1,5 kg, j'ai assez de trucs à boire sur moi. Moi bon, il a pris 100 grammes depuis le dernier live. À ce rythme là on est dans la merde. Et il a, par contre il a gagné 0,2 km par an depuis qu'on a créé le personnage. Le problème en ville, c'est qu'on va trouver aucune bouffe, donc ça va être un petit peu emmerdant. Donc si on peut tuer un mec et le grailler, ça serait top. Ça a toujours pas été corrigé, les bugs de raccourci. C'est vrai que là ça manque de renouveau. Alors c'est vrai que moi étant un gros fan de Battlefield, il sort bientôt donc ça va. Je vais beaucoup jouer à Battlefield, je vous dis la vérité. Hein. Mais c'est en novembre quoi. C'est encore dans 2 mois. Alors je vais voir s'il n'y a pas moyen de précommander, voir si on ne peut pas commencer. Parfois 15 jours, 3 semaines avant, ils font comme ça parfois. Il y en a parmi d'entre vous qui vont jouer à Battlefield ou vous aimez pas? En fait, je parle trop, c'est pour ça que j'ai soif. Je devrais fermer ma gueule là. Alors. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Quand j'ai vu le trailer, j'étais un petit peu déçu. Parce que ça ressemblait à un Call of Duty pour moi. Et puis là, il y a plein de nouvelles. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le problème. Ça. Et là, j'ai vu quelques nouvelles vidéos, nouveaux trailers, nouvelles images. Et c'est mieux que ce que je pensais. Et là, il est bien là le problème, c'est que moi j'aurais envie de tryhard un autre jeu. J'arrive pas à m'accrocher comme je fais là quoi. Oh, les bugs d'affichage sont chiants dans ce cas, mais sérieux. Ils attendent quoi, sérieux? Vous imaginez que je suis en extrême, hein, full graphique. Hein. C'est-à-dire que full graphique, t'as quand même full bug quoi. T'as les fenêtres, t'es obligé de faire un zoom comme ça pour voir les fenêtres, hein, tu vois même pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Bah, j'avoue que j'avais acheté le jeu pour jouer avec des potes. Bah, chacun les gros chips. Et j'y ai pas beaucoup joué, même si j'ai trouvé le jeu très bon. Mais c'est vrai que les games, comme elles durent au minimum, allez, entre 45 à 1h20 la game,
C'est vrai que tu fais deux games, 2-3 games, bah t'es vite à 4, 5, 6 heures, quoi. Il y a un jeu que j'aurais adoré faire, mais qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai pas la patience de tout réapprendre, c'est Squad. Là, vraiment la vraie simulation de guerre qui a l'air vraiment excellente, quoi. Ouais, bah ça c'est clair que les cheats, ça va y aller, hein. Vous pensez qu'il y a de la brique ici, en ville, là? À l'époque, c'était pour décorer, mais par contre, il est vraiment pénible à être tout le temps essoufflé. Putain, c'est ça le pire, je crois. Ouais, donc, il y a vraiment du ciment. Là, c'est les briques. C'est très pénalisant parce que regarde, même quand tu essaies de marcher genre doucement pour qu'il arrête de s'essouffler ou machin, ben en fait il s'essouffle aussi, donc c'est-à-dire que dès que tu croises après un mec, tu fais un coup de molette pour courir, ça il est cuit. Il est cuit de chez cuit. Ouais, mais bon. En fait, il faudrait, si, la vérité, il faudrait que je bouge sans gilet, sans casque, sans veste, et là je gagnerais déjà 14 kilos. Faudrait que je pose même le carquois, tu vois. Juste un sac, comme de toute façon je vais pas le remplir parce que j'ai pas besoin de grand chose à part upper mes skills. C'est à peu près ça que je devrais faire. Mais comme le jeu aussi favorise la prise de masse et de force quand tu portes du poids, bah, je suis obligé d'en avoir quand même un petit peu. Voilà, ouais, il n'y a aucun intérêt de venir ici à part se faire niquer. On va pisser, on se casse. Hein. C'est à peu près ça, quoi. Ah, même les JVN, regarde, 700. On est à 1,9 kg. On est à 12 kilos. 13. J'ai 15 kilos de trop sur moi, là. Minimum. Donc déjà, je descends à 19. Et là, 19 kilos, c'est peut-être plus facile. Mais je vais peut-être faire ça, t'as peut-être raison. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un coffre et me déloot ici, quoi. Fabrique aussi, je suppose. Okay. Donc, il doit y avoir des mecs qui viennent ici, que les pick-up ou tracteurs, ils chargent la voiture et ils se cassent. C'est à peu près ça. C'est 5 pas et je suis cuit. Comme par hasard, regardez, j'avais toujours des haches et tout sur moi, bah, pour faire des coffres et autres. Oh, le bug graphique, c'est magnifique. Ça vous le fait ça des fois? Je sais pas si vous voyez. Quand je vais dans les bunkers militaires et tout, ça me le fait, ça. Ah ouais, je sais bien. Et là, j'en avais besoin, du coup. Bon, allez, fais une petite pause tam, là. Tu vas me fatiguer, toi. D'être très mauvais. Wow, ça va un petit peu mieux là, moins plus 1%. Là, on est à moins 7 quand même. Pas les faire tous les virages, hein. Franchement, même pas s'il y a vraiment du vrai loot là-dedans. Bon, d'accord, voilà, j'ai la hache pour aller faire le coffre.
Ça... Ah bah non, il me faut deux clous, vu que moi je peux faire que les coffres de merde là. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, deux clous. Et de 1. Comme ça, on va aller le faire et on va se déloot vite fait, quoi. J'avoue, je referme rien dans le sous-sol, hein. Rien à foutre. Hein. Vous allez voir que le dernier clou, on va galérer. Hein. C'est bien comme ça. Hein. Bah moi, je viens très rarement, quoi. Déjà, malheureusement, je vais pas dans la grande ville parce que beaucoup n'y jouent pas parce que ça rate. Alors que c'est vraiment un spot génial pour jouer. Enfin, je trouve. Hein. Le mec. Rien que de l'entendre souffler comme ça, il me fatigue. Allez. Ouais, je suis obligé de faire une pause table. Désolé, mais. Ouais, ça fait bosser comment dire, la persévérance, mais bon. T'as vu, c'est bizarre, il n'y a presque pas de Z. Enfin, on va pas le trouver le clou, hein. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Allez, mec! Ah, bâtard! La carotte, ouais, tu m'étonnes! Pas comme si on lui demandait un truc de ouf! Je me retrouve à être obligé de tout fouiller parce que j'ai trouvé la hache! Allez, bâtard! Un clou, allez! Ouais. En fait, il considère que quand t'es con, t'es con. ça se mange quand même. Hein. 54%, ça se mange. J'ai commencé à bouffer ça pour couler le. Pour diminuer le poids aussi. Ouais, ils auraient dû en mettre plein des aides. Mais vraiment. Bah voilà, tac, on va ressortir. On va aller faire le coffre vite fait. On va faire un petit coffre, un petit drapeau pour le retrouver et puis on va se vider les poches. Alors techniquement, salut Ghostix, techniquement le fait de ne pas manger et de courir lui fait perdre du poids. Mais moi je suis obligé de lui donner à manger, sinon en fait quand tu es en pénalité, bah, ça se met rouge en haut à gauche sur les skills là et donc il n'y a rien qui évolue. Mais si tu es un personnage dit normal, normalement constitué, bah, tu peux de temps en temps être dans le rouge, tu le fais courir un peu et puis ça lui fait perdre du poids. Rien, nos problèmes.
No problème. Allez, on va poser tout ça là. À combien je cours chargé là? 19,7 avec le poids que j'ai. On va voir combien on va gagner du coup. Je vais pas faire ça trop loin parce que ça sert à rien. La probabilité qu'il y ait un mec dans les maisons là, je crois pas trop. Ouais, mais ça se trouve c'est pas implanté quoi. Oh, vous avez vu? Il demande 39 en corde au lieu de 40. Ouh là là, suffire, hein. Il commence à prendre en engineering là. On a gagné une unité de corde. D'ici un mois, on est bon. Ça, il faut le couper. Du coup, ça lui augmente la survie là. Hein. 56%. JJ, bon gosse. J'ai l'impression que je suis en train de lui faire faire des trucs de ouf. Genre, je suis en train de maltraiter mon perso, tu vois. Mais en fait, non. J'ai rien de mal. Donc, il faudrait quoi, 19,7 en année. Ah, une fatigue avec son bruit d'essoufflé là. Et hop. C'est pas grave, la survie des mecs, on est à 58. Même la caisse au-dessus, je vais la poser du coup. Vas-y, remets-toi. Voilà. Reste tranquille. Ça va? Il n'arrive pas. Hein. On est où là? T'as 168 battements par minute. C'est comme s'il faisait un. Comme s'il était en. Comment dire? Oh, j'ai plus le terme, mais quand tu fais un sprint et que t'es à bout de souffle, t'es pas loin de ça quoi. Ça y est, ça va mieux? Regardez, là je vais juste faire de la corde. Regardez sa stab. Oh la mauvaise langue. Il peut faire de la corde sans se fatiguer. Ah. Mais non, pas encore. Ça me fatigue, sérieux. J'ai jamais eu autant de... Tu crois que ça joue l'intelligence sur ça, là? Incroyable. J'ai jamais eu autant de robots que depuis que je suis à la saison hardcore. D'apôtre sexy. Ah, c'est peut-être ça. Casse. 61? On a pris 7% en faisant un coffre, en gros. Depuis qu'on joue, parce que c'est le seul truc qu'on a fait. Ah, et de fabriquer les. Et ça va m'augmenter l'engineering, puisqu'on est à 27. Ah, je sais pas. Hein. Je faisais confiance, tu me dis de la merde. Évidemment, c'est un peu emmerdant, c'est que tout reste à côté, mais j'ai pas le temps d'aller faire du rangement. Donc on a dit, tac. Et déjà, on était à 19,7. Hein. Je veux que je garde quand même ce qu'il y a dedans. Hein. En fait, l'eau, j'en ai même pas besoin, vu que j'ai la grande bouteille. Je vais poser, ça je pose. Le pain, je vais garder. Poser ça, bah oui, il se met à pleuvoir. C'est évident. D'appel, j'en aurais besoin. Et on va poser ça aussi. Allez hop.
Putain, hein. On a gagné 1,2 km/h. Hein. Et on est passé de 34 à 22 kilos. Ok. Ah ouais, mais là, les cheveux, ça va pas, là. Faut aller chez le coiffeur, frère. Hein. Un gros. Ouais, c'est exactement ça. Donc, de quoi est-ce que encore la bouffe? On va manger du pain, hein, c'est dégueulasse. Mais... plus, c'est un peu racine. Y a que ça, mec. Hein. Ah, il y a un petit peu de bidou. Hein. Ah, dis donc. Il a dû le laisser aller. Hein. Ah ouais. Oh là là. Alors lui, il faut 3 pauses pour faire un coffre. Pour enterrer un coffre. Faut pas être pressé. Hein. Tac, on pose ça. Je vais juste faire... pour que je me rappelle où j'ai foutu cette merde. Il n'y a plus de cailloux dans ce cam. C'est... ça fait partie du gros loot maintenant. Je cherche des cailloux. J'ai besoin de deux cailloux pour me faire un couteau, limite. Mais non, bon, tant pis pour toi. Hein. C'est pas ce que je t'ai demandé de faire, mais... j'espère qu'il était bon. Hein. Le mec qui a tellement faim, qui se met à manger tout seul, tu lui as rien demandé. Voilà. Ça va augmenter la survie en plus, faire le couteau. ⁇ 62% 28. On va presque passer à 63 là. Même pas. Ça donne pas beaucoup de points ça. Hop. C'est vrai que si je joue en première personne, ça se voit pas, mais ça lui donnera chaud. Bon là on a gagné un bon kilomètre heure. Bon, effectivement c'est un petit peu plus rapide. Allez, on va s'enfoncer dans la ville. T'as faim? On va manger bientôt. Est-ce que se mettre à côté du feu? Tiens, on va voir si ça marche. Oh bah là, il n'a pas froid, ça compte pas. On pourrait faire un essai, tiens. Si le feu qu'on fabrique nous-mêmes, ça marche. Alors, est-ce que le feu déjà dans la ville fonctionne? Ça, c'est une bonne question. Ah, le chat, là. Aïe, aïe, aïe. Tiens, bah, vue sur mon bide. Chut! Chut! En plus, c'est du feu de ouf, il s'éteint pas avec la puce. Boucarotte, bienvenue, welcome. Merci pour le follow, mec. Bienvenue dans la saison hardcore. Du scum pur et dur, là. Oh, le gros ralentissement, même moi, ça rame, là. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il veut? Aïe, 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 il est en PLS, le PC, il va crever. Ah, merci de l'info. Ah, voilà, ça sert à rien de squatter à côté du feu. Putain, il faisait jour, il fait nuit d'un coup. Merde, c'est vrai que t'as mis... pour rester la première personne. Ok, c'est parti. On va essayer de trouver des supérettes, armurerie.
ressemble à une supérette, ça. Rien à manger comme par hasard. Y'a rien. Les rayons ont été dévalisés. En fait, je suis sur un serveur, type officiel. Et je me suis amusé à mettre tous les skills à 0. Enfin, c'était à 1, 1, 1, 1. Et aucun point nulle part. C'est pour ça que je dis que c'est hardcore, parce que c'est vraiment tendu, quoi. Donc il a tout le temps faim, tout le temps soif. Il a du mal à récupérer, il court très lentement. Enfin, toutes les galères qui vont avec, quoi. Chaud, ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est une fausse bonne idée, hein. Bah, en fait, on avait déjà fait sur la chaîne YouTube, enfin Twitch et YouTube, la même chose sur la 0.5. Et là, comme le métabolisme a changé, c'était l'occasion de le faire. Effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Ah, il a faim, on va lui donner à manger. On a un peu de temps sur soi. C'est juste d'avancer un peu dans un spot un peu plus... où j'ai plus de chances de croiser du monde. Esquisse TV, welcome, bienvenue mec. Merci pour le follow, bienvenue au nouveau. Tiens, on va fouiller la cuisine vite fait. Par contre, comment il s'appelait le truc qui nous avait carotte la dernière fois là? Les mincis, tu parles. Le truc qui fait grossir de ouf. Surtout à ne pas manger si vous faites une saison hardcore. Surtout pas, quoi. Bienvenue mec. Faut qu'on mange maintenant. Il est en galère. Franchement, oh là là, on a 0 calories d'avance. Ah, ça va être tendu. Bon, bah, tant pis, on va être obligé de manger du pain. Hein. C'est pas très bon. En plus, il est racine, mais je crois qu'il va cracher. Faudrait plus chaîne, faut faire gaffe avant qu'il vomisse. Mais non, non, non. Je me suis arrêté avant, espèce d'escroc. Oh, il est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, bravo. Bravo. Ah bah voilà. Allez. Allez, déjà qu'on n'a pas beaucoup de bouffe. Allez, tant qu'à faire. Hein. Putain. En plus, j'avais fait gaffe exprès. Donc en fait, vu que le personnage est lié en hardcore, il galère pour tout. Hein. Il est tout le temps faim, tout le temps soif. Bon, la soif, bah pareil, hein. Ça y est, c'est reparti. Et il se fatigue très vite. Là, on a dû aller déposer gilet pare-balles, enfin tout ce qui va avec. On a bientôt plus de pompe. Il va commencer à avoir mal aux pieds. Ah, c'est pire qu'une gonzesse, ce mec. Hein. Putain. Ouais, c'est bon, ça va passer. Donc là, c'est bon en eau. Là, ça va. Il faut vraiment qu'on trouve à bouffer, les mecs. Ouais, maintenant, c'est très très dur. Hein. Alors, pour faire simple, tout dépend déjà sur ce que tu cherches dans le jeu. Parce que chaque serveur privé de Scum a des réglages totalement différents. Donc, il y a des serveurs en ligne, multijoueurs, mais totalement PVE. C'est-à-dire qu'en fait, tu croises des mecs, mais vous ne pouvez pas vous tirer dessus. C'est pas le vrai but du jeu, mais ça existe. Après, tu as les serveurs dits officiels, où en gros, il n'y a pas de règles. Et en gros, le but, c'est de survivre et... Soit tu te fais une base, soit tu squattes des maisons, tu mets des cadenas, enfin bref, essaie de te défendre comme tu veux, il faut manger, il faut trouver des armes, il faut s'armer, puis bah là il y a du monde, c'est pour ça que je fais gaffe et que je cours pas comme une merde, c'est qu'il y a du monde dans le serveur. Alors est-ce qu'ils sont dans la ville ou pas, on sait pas, parce que la map est très grande. Mais depuis ce matin, depuis le début du live, on a croisé quand même un véhicule et un mec qui courait, que j'ai volontairement évité parce que je suis vraiment pas très équipé. Quoi. Et le but c'est de survivre quoi. Ouais, c'est ça. C'est réaliste comme Tarkov et c'est le style de jeu à la Rust. La communauté est pas très grande, malgré que le jeu soit vraiment très très bon. T'as les bonnes conditions climatiques, c'est très réaliste. Et t'as un sentiment de stress que t'as pas dans d'autres jeux parce que il peut y avoir un mec dans n'importe quelle fenêtre, là, pour donner un ordre d'idée.
quand je te parle de ce spot là quoi. Donc tu peux jouer en escouade comme solo, évidemment, plus on aime mieux c'est. Et là j'ai fait un personnage en fait qui a aucune habilité, c'est en fait je joue dans la façon la plus difficile du jeu. C'est totalement volontaire, hein. C'est, ça s'appelle être suicidaire. Et en gros, bah, plus je vais avancer dans le jeu, plus les skills vont augmenter. Mais j'ai tout mis au minimum, il faut vraiment pas le faire. Hein. Ne reproduisez pas ça, il n'y a aucun intérêt. Moi je le fais, c'est parce que j'ai presque 2000 heures de jeu et c'est pour me mettre des challenges moi-même. Parce que je trouve que bah, déjà personne ne le fait et c'est intéressant de faire différent dans... de proposer des contenus différents donc voilà. Ouais, il est super fragile, il se blesse facilement. Regardez, il a pas de stam, je fais rien depuis tout à l'heure, je suis déjà à 20%. Et alors, c'est pas normal hein. Mais là, il joue sur un serveur où personne n'a fait les mêmes réglages, c'est-à-dire que les autres ont des personnages classiques. Donc c'est vraiment tendu quoi. Bon, les 5 minutes sont passées le chat. Et t'as des endroits dans la map où t'as du loot dit militaire, donc t'as des chances de trouver des armes, mais parfois t'as pas les chargeurs, parfois t'as pas les balles, et vice versa. Quoi. Ouais, c'est pas des aides. Des aides, enfin, il y a de la survie, il faut bouffer machin et tout, mais les maps sont petites et des aides, je dirais que c'est plus facile. J'ai joué aux deux. Hein. Des aides, c'est en gros. Quand je dis c'est plus facile, tu meurs, tu respawn, tu te fight, tu croises du monde tout le temps. Et puis c'est reparti quoi. Ici tu peux croiser 2-3 heures sans voir personne. Et au bout d'un moment, boum, te faire buter. Et puis tu perds tout et tu... la map est très grande quoi. Donc il faut faire très gaffe. C'est comme si tu faisais un Walking Dead dans un jeu vidéo quoi. Il n'y a pas d'amis, il faut croire en personne, il y a des véhicules. T'as des motos, des quads. Maintenant tu peux faire des bateaux, tu peux pêcher, tu peux chasser. C'est un peu de tout. Et tout est assez réaliste. Quoi. Salut Zenithman, merci pour le follow. Mais c'est très 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 difficile. Donc techniquement, t'essaies de pas courir, t'essaies de faire attention, t'écoutes les moindres bruits. Et plus ton personnage est avancé, plus tu peux entendre des bruits de loin. Là, j'entends rien parce qu'il est nul. Mais voilà, là c'est vraiment la version difficile du jeu. Quoi. Enfin, là, il a mal au bide, il a faim, donc il arrête pas de gargouiller. Alors t'imagines, t'es en train de camper dans un coin là. T'entends... Enfin bref, je vais pas faire le bruit. Et t'es cuit, t'es mort. Bah, franchement, disons que je suis... Je vais pas dire un no-life parce que je bosse, enfin sauf cette année, hein, je suis... Bref. Mais j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai joué à Green Hell, qui est un jeu de survie dans la jungle. J'ai joué à The Long Dark, j'ai joué à DZ, j'ai joué à Tarkov, j'ai joué à Scum. Et je vais dire malheureusement, parce que parfois t'as envie de faire autre chose, mais si tu ponces le jeu comme il devrait être poncé, ce jeu-là, une fois que tu joues à ça, tu peux plus jouer à rien d'autre. C'est de gros problèmes. Parce que c'est le seul jeu de survie en ligne, je dis bien en ligne, donc avec PVP et compagnie, aussi complet. C'est... Y a pas, c'est j'ai fait le tour. Il n'y a pas après, c'est ça dépend des univers qu'on aime, qu'on aime pas. Mais... Bah ouais, mais pour être franc avec toi, Boukara, j'espère qu'elle va pas s'agrandir. Moi personnellement, parce que depuis qu'elle est, alors elle est magnifique, hein, parce que ce qu'ils ont rajouté entre en fait, pour faire simple, il y a encore 6 mois, ce mois de mai, 5 mois, toute cette partie là n'existait pas. Donc, depuis qu'ils ont rajouté ça. Donc ils ont rajouté les bateaux et autres, donc tu peux traverser en bateau, enfin bref, c'est très bien, il y a plein de nouvelles choses. Je vais les prendre au cas où. On est un peu en galère de balles. Le problème c'est que maintenant il y a plus de cases et tu croises parfois moins de monde. Voilà, mais ça c'est un faux problème. Hein. C'est à la base c'est pas un jeu de... Enfin, PVP si, vu toutes les armes et tout, c'est quand même un jeu de PVP, mais c'est un jeu de survie, donc moins tu croises de monde, mieux c'est, mais le but tourne vite au... PVP, t'as envie d'en découdre, tu vois. Là, quand tu te dis qu'il y a n'importe quelle fenêtre, tu peux avoir un mec. Alors, je sais qu'il n'y a pas grand monde parce que cette ville-là, elle est tellement grande. Il y a tellement de choses que beaucoup de personnes lag dedans.
Donc là sur le stream ça passe, moi aussi. Et encore j'ai laissé toutes les specs à fond. Mais beaucoup n'y viennent pas parce que ça rame trop. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu moins attention parce que c'est... A mon avis il n'y a pas grand monde dedans. Peut-être. Mais en gros la map, le jeu est extraordinaire. Et le jeu, le pire c'est que... Bon, il y a des idées qu'on trouve intéressantes, d'autres pas du tout. Et que le jeu est encore en bêta, on est qu'à la 0.6. 0.6, c'est-à-dire qu'avant la 1.0... sachant que la 0.6, ils l'ont fait en 2 ans, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Le jeu est déjà très complet. Mais avant qu'on soit à la 1.0, à mon avis, il y a encore plein de mises à jour. Hein. Les devs sont à fond dedans, il hein, y a zéro souci là-dessus. Hein. Et le pire, bon là on discute, ça a l'air chill et tout, on croise personne, c'est bien. Puis là, il n'y a pas de zombies, on a de la chance. Mais des fois, tu es dans un bâtiment, tu entends un mec marcher à côté. Et ça dépend comment tu es armé, tu sais pas si le mec il est mieux stuffé que toi, s'ils sont seuls, s'ils sont deux, si tu as entendu, si tu as vu. Et tu as un sentiment de stress parce que comme tu peux tout perdre en quelques secondes, c'est pas genre tu fais genre c'est pas un Call of Duty le truc, hein. L'arme que j'ai là, elle est tellement naze, mais c'est la seule automatique que j'ai. Tu fais un full auto, les balles, tu tires au plafond. Hein. Donc c'est très compliqué. Hein. Là, je viens ici parce que depuis la nouvelle mise à jour, la bouffe, c'est une galère. Et ça, c'est un ancien supermarché. Et avec un petit peu de chance... Je sais pas si j'ai entendu un mec fouiller ou si c'est... On va dire que j'ai rien entendu. Ah putain, l'enculé m'a fait flipper, lui. Là, j'ai une vieille arbalète que j'ai fait à la main. Et je l'ai loupée, magnifique. Donc j'ai plus d'endurance et les zombies font très très mal. Vas-y. Avec un peu de chance. Ah, je peux pas lui tirer dessus. J'ai plus de stamina, mais c'est parce que mon personnage, il est tout pété, hein. Alors là, évidemment, je tire pas dessus parce que sinon, tout le monde sait que je suis là, quoi. Ouais, il a pas de stam, je peux même pas monter dessus. En plus, j'ai pas fait de couteau, évidemment, j'en ai pas. J'aurais dû garder une hache. Ah ouais, je peux même pas tirer en fait parce qu'il est à bout de souffle, il peut pas mettre l'arme. Ah, c'est con, j'avais pas pensé ça. Allez, en plus lui il est gros, j'ai pas de force donc c'est un peu long. Allez! Putain! Ouais, parce que tu peux pas faire de clic droit. Ah, ça y est, là il peut. Golden Fute! Bienvenue mec. Merci pour le follow. On est passé à l'objectif les gars. Vous assurez aujourd'hui. Alors techniquement, on en a rien à foutre. Enfin, excusez-moi le terme. On a rien à foutre normalement de couper tout ce qui est fringues, les machins et tout. Mais comme mon personnage est... Ah bah putain, il est... Ah, je suis en PLS là. Vous voyez, le fait qu'il ait faim et soif, au lieu d'évoluer mes skills en bossant, en me déplaçant et compagnie, bah là je perds. Donc, il n'y a pas de grosses incidences quand c'est quelques minutes et que vous avez un personnage fabriqué normalement. Mais moi, en mode hardcore, il faut que je fasse... Ouais, une épée, ouais. Ça, c'est... Bah, en fait, j'ai pris le... Comment dire? J'ai pris l'arbalète, c'est pour pouvoir... c'est pour le PVP, en fait. Parce que c'est très silencieux, ça a une grosse portée et ça fait très mal. C'était même pas pour les aides à l'origine. Bon, techniquement, quand tu loupes pas le mec, ça le one-shot aussi, mais... Bon, je garde pas... Je vais peut-être en garder qu'une de canette, et encore. Ouais, il faut que je remonte tout ça, je suis désolé, mais ça fait partie de la survie et du jeu. Et c'est vachement complet, hein. Parce qu'après, tu peux fabriquer des balles, pouvez-vous... Enfin, il y a tout. Franchement, il y a tout. Ouais, mais ouais, l'arc à poulie est génial, mais je peux pas l'utiliser. Il n'a pas assez de force. Même si je le règle avec la caisse à outils, l'arc à poulie, il a pas assez de force pour l'utiliser. Bon allez hop.
Faut vraiment qu'on trouve de la bouffe dedans. Alors, il y a quelques années, hein, quand le jeu était sorti au début, il m'a tapé ou je rêve? Non, c'est parce que je manquais d'eau, j'ai commencé à perdre des points de vie. Ouais, parce que si vous ne nourrissez pas et hydratez pas votre personnage, bah, il peut tomber dans les vapes, il peut mourir. Ça, je garde l'aiguille, ça peut être utile. Faut pas. Ah putain, ça j'aurais bien pris, mais qu'est-ce que c'est gras ça. Ça, techniquement, quand vous êtes en guerre debout, vous mangez, mais moi j'ai un personnage qui est obèse, limite. Là, il y a deux. Si je bouge pas, il prend du gras, lui, en permanence. Donc en plus d'avoir faim, il faut que je mange. Là, était bio, je fais. Hein. Il faut que je fasse un vegan. Ça, je vais le garder au cas où. Il doit y avoir ma flèche dans le coin d'ailleurs. Merde, trompé de bouton. Autant pour moi les mecs. Il était plein le deuxième chargeur? Ouais, c'est bon. Allez là, il y a mon carreau d'arbalète. D'ailleurs, il faut pas oublier. Ah, il l'avait rechargé, bon, c'est déjà pas mal. Ah, par contre, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à bouffer. Ah, et plus vous irez sur un serveur à. Ah, c'est bon ça ou pas? Vous irez dans un serveur facile. Ah, c'est gras aussi. Bah, tant pis, j'ai pas le choix. Tant pis. Plus vous irez sur un serveur facile, plus vous trouverez des objets. Moi, je suis en. Et je me suis fait un personnage en hardcore. Et le serveur est en loot minimum, quoi. Ah putain, mais là, c'est vraiment la galère. Attention, faut pas qu'il vomisse. Je me suis arrêté avant, c'est bon. Tout ce qui va pas dans votre personnage apparaît ici. Là, il veut que je pisse en plus. Bon, on va lui faire faire pipi. Vessie pleine. Le côlon, c'est bon. Donc là, techniquement, Nito et Lunette va disparaître. Le froid, ça devrait passer. Je lui ai mis un petit bonnet. Hein. Pauvre chou. Ouais, c'est la galère, mais bon, c'est clair que c'est. Ah, il y a un truc à bouffer là. J'ai vu quelque chose sur l'étagère. C'est quoi ça? Oh, du melon, les mecs. Yes! Wouhou! Les mecs sont contents de trouver des AK. Ouais, du melon. Il y a un Z qui gueule. Là, ça peut être quelqu'un, tu vois. La noix, je crois que c'est trop gras. Ouais, ça, je mange pas. Je crois que j'ai trouvé un autre truc là. Vas-y, on va couper le melon. On va tout manger. On va manger un bout déjà. Donc là, ça va remonter. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le con! Voilà, vous faites pas de gaffe, tout ce qu'il avait avalé, il va vomir une partie. Voilà. Putain. Qu'est-ce qu'il avait le melon? Il est périmé? Spoilette. Ah non. Oh, je suis dégoûté. Le melon est plus bon. Je peux pas le manger. Ça, c'est de la merde. Oh, la fausse joie. Les crackers, ça passe ou. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un drôle de goût. Ah mec, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, t'es remonté en bleu, positif. Et là, ça va monter aussi en bleu, donc on va faire très attention. On va essayer de pas trop courir. On va le faire économiser un peu d'énergie. On regarde si on n'a rien oublié. Encore des. Des chips, hein, tant pis. Hein. Ah, ça donne pas mal d'énergie. Ah, mais c'est gras ça! Mais incroyable. Ah vas-y, tant pis. Hein. Le frère, il n'y a que ça à manger, hein, c'est Koh-Lanta ici. Hein. Il mange des larves. Hein. Bah nous aussi d'ailleurs. Hein. Blague à part. Hein. Blague à part, il y a des larves aussi à manger, des criquets, tu peux aller à la pêche, enfin. À une date. Nice. Il n'a pas le ventre plein. Full repulsion, c'est bon. C'est quoi là? Estomac vide. Avec tout ce que je bouffe. Bon, ça y est, on n'est pas trop mal. Eh bah oui. Après, pour ceux qui me connaissent, et d'ailleurs, si vous voulez continuer à regarder la saison, n'hésitez pas à activer les notifications. Mais ceux qui veulent voir les premiers épisodes, tout est sur la chaîne YouTube. Normalement, il y a tous les réseaux là. Enfin, évidemment, fan sur fan, une base, une ne connerie. faites ni Ça m'a celui-là ni lancé celui-là si vous ne savez ma pas. chaîne YouTube. Voilà, si tu peux fermer ta gueule, Seven, merci. Allez,
Là, pour ceux qui connaissent la map, on va se diriger vers les armureries, en espérant que personne ne soit passé avant. Et techniquement, je fais aussi pas trop de bruit parce que quelqu'un qui court, on l'entend de très loin. Wow, j'ai spammé deux fois les trucs. Désolé les mecs. En tout cas, vous pouvez pas dire que je les ai pas mis. Bon allez, on avance. Là, à partir de là, on va être dans les coins. S'il y a du monde dans le village, les coins les plus utilisés du village. Hein. Juste passer ici parce qu'il y a un supermarché. Et que depuis la 0.6, il faut manger. Regardez, il est fatigué. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple si vous. Enfin, ceux qui découvrent le jeu et ceux qui vont jouer. Évidemment, regardez, j'ai pas de stam pour lui tirer dessus. Ça fait juste le juste. Hein. Je pourrais peut-être pas recharger. Regardez, il n'a pas de force pour recharger. Allez, allez, tu peux le faire. Eh ben non. On va attendre un petit peu. Bah, tout dépend si tu joues seul ou en équipe, Esquisse. Je dirais si tu joues seul. Oh! Merci Provid pour le host. Bienvenue les Provid viewers. Merci à vous, ça fait plaisir. Alors si vous voyez que le personnage galère, c'est normal, on est sur une saison hardcore. J'ai tout mis les skills à zéro, si vous connaissez le jeu évidemment. Et pour répondre donc à Esquisse, le problème des bases, si vous n'êtes pas plusieurs pour la renforcer, la protéger et connaître les astuces pour pas se faire attaquer. C'est très risqué. Le problème des maisons, c'est pareil. Faites le mieux si vous pouvez, c'est de la jouer un petit peu en mode vagabond, en planquant votre stuff dans des coffres, on peut les enterrer, et essayer d'être discret pour pas que les autres le repèrent. Bienvenue à vous, en tout cas, les mecs. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. J'ai à peu près 2000 heures sur le jeu. On va passer de l'autre côté. Il y a l'armurerie. C'est le plus important. Et regardez, là, le personnage est tout de suite fatigué. Ce qui n'est pas le cas normalement. Hein. C'est chaud. La bouffe, ça remonte ou pas? Parce qu'on était en galère. Ouais, vous voyez, là, c'est passé bleu. Et du coup, toutes les stats redeviennent bleues. Et donc, on va pouvoir continuer à augmenter le personnage. Par contre, je crois qu'il a toujours. Avec quoi? Il a soif maintenant? Thirst, hunger, c'est la faim. Et il a l'estomac qui fait du bruit. Bah ouais, mais. Au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai que je te donne de la merde, mais quand même. Ouais, de toute façon, base ou pas base, il faut toujours enterrer son stuff. Hein. Parce que même si tu mets des cadenas en or, t'as des mecs qui sont très très bons pour crocheter des serrures. Et en fait, même chez toi, t'es pas en sécurité, quoi. Je fais quand même gaffe parce que normalement je suis pas censé courir. Et comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir un mec à n'importe quelle fenêtre. Il y a des mecs qui habitent peut-être dans le coin, tu vois, qui ont fait leur base dans un étage tout en haut. Si tu peux, tu peux monter dans les immeubles, tu peux par exemple bloquer une porte et squatter dedans, même sans y vivre, tu vois. Et t'entends un mec courir en bas, c'est cuit quoi. Donc il faut faire super gaffe quoi. Ah, c'est très frustrant, hein. Pour ceux qui ont le temps et la patience, moi ça fait un an que je joue, donc il y a des vidéos quand j'ai commencé à streamer aujourd'hui. Et des fois je me levais le matin, j'étais dégoûté, je fais putain ma base a été raide, j'ai tout perdu. Mais je savais pas qu'on pouvait enterrer des coffres, ou je savais pas qu'en fait les serrures ne servaient à rien. Ou... Donc c'est comme ça que j'ai appris, je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos sur Scum. Sur YouTube je dois avoir à peu près plus de 300-400 vidéos sur le jeu. Pour donner un ordi. Oh des jumelles les mecs. Là c'est Alibaba les... Le sac de randonnée, je prends pas, ça c'est un silencieux. Un briquet pour faire du feu, des balles de hunter. Du coup, je vais pouvoir jeter celles qui sont en mauvais état. Il y a un arc, des flèches. Oh non! Oh yes, pour l'arbalète ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait une arbalète complète, mais... Et là, par exemple, j'ai pas trop de problèmes d'eau, mais quand il n'y a pas d'eau, il faut fouiller dans...
Ouais, il n'y a plus d'eau. Voilà. Alors ça, c'est une petite armurerie. On va dire c'est les boutiques de chasse. T'as jamais de gros calibre là-dedans. Mais juste à côté, là, il y a un bug d'affichage, tu vois. Juste à côté, il y a la vraie armurerie. Et là, à mon avis... Ouais, voilà. Sinon, il faut avoir une baraque juste pour pouvoir respawn et se planquer en cas de problème. Ah non, c'était pas un bug. Bon, on va passer par là au lieu de passer par la route. Mais voilà, il faut jamais laisser son stuff important à l'intérieur. C'est... Voilà, tu peux fabriquer des mines, tu as des mines laser, tu as des véhicules, il faut les réparer. Maintenant, ils ont rajouté les motos. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce jeu. C'est incroyable. Putain, il faut que je me libère du poids, là. Hein. Bon, attendez, avant d'avancer, parce que là, on est en train de s'enfoncer dans la partie difficile de la ville. Je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Hein. On est en mode galère et en survie active. Où je me pose dans un coin. Je mange tout, enfin, tout et n'importe quoi. Faut faire attention. Donc ça, c'est tout fait. On va manger un peu. Il a soif ou pas? Il a soif, on va manger ça. Ça prend vachement de poids. C'est plus... Attendez, je suis en train de... En food repulsion, c'est bon. Vous voyez? Nausée, ça va partir. Il est un peu froid et soif. Donc là, ça va remonter avec la... C'est un drôle de goût. Mais ça va passer. Oh, le dégueulasse! Merci Esquisse pour le Prime. Ah, c'est un nouveau son, je m'attendais plus à ça. Je viens de le changer il y a pas longtemps. Oh, le dégueulasse, il a foutu partout. Bienvenue en tout cas, merci pour le Prime. Oh, le dégueulasse. Oh, je vais peut-être le changer, il est con ce son. Exactement. Putain, ouais. Même les nouveaux viewers, ils me trollent déjà. Putain. Et il y a une super ambiance. On est pas beaucoup, mais c'est... Enfin, on n'est pas beaucoup. Il n'y a que des habitués sur ma chaîne, mais peut-être 20, 30, 40, 50 personnes maximum. Sur le Discord, pareil, mais on a... Enfin, c'est toujours de bon humour, c'est drôle, on s'amuse et tout. C'est... Moi, je joue sérieusement parce que je connais quand même le jeu. Mais franchement, des fois, pour donner un ordre d'idée, un truc à la con l'autre jour, on me demande de mettre le son des dents de la mer. Tadam. Yo, merci! Carlos Lusitano, Portugal! Merci pour le follow. On me demande de mettre le son dans de la mer. Je plonge pour aller fouiller une épave. Tu me crois qu'au même moment, il y a un requin qui me bouffe. On était pliés en quatre. C'est un truc de ouf. Il y a des trucs comme ça. Oh, les temps! Ça va, monsieur David? Bon, là, ça commence à être un petit peu plus sérieux. Là, oh! Il y a un beau sac militaire. L'armurerie, elle est juste en face là-bas. Généralement, comme ici c'est très connu, t'as toujours des mecs qui squattent les baraques de part et d'autre. Et puis, ils campent, c'est aussi une partie du jeu. Hein. C'est autorisé, c'est normal. Imaginez-vous que demain, votre ville parte un petit peu en sucette et que vous devez survivre. Je peux vous dire que vous allez camper de temps en temps à la fenêtre, hein, voir si un mec qui passe pour le buter. Et des fois, t'as même des mecs qui mettent des mines. Hein. Bref, là, il y a de l'eau. Des flèches en métal, ça m'intéresse pas. Putain, regardez le nombre. J'ai jamais vu autant de stuff. Incroyable. Bon, ça m'intéresse pas non plus. Il y a même à manger. Ah non, c'est pour pêcher, pardon. C'est l'espèce de d'hameçon. Ouais, exactement. J'en parle dans les vidéos. Le meilleur moyen de faire une base et de pas mourir rapidement, c'est de la faire dans un coin éloigné des villes et le plus paumé possible, quoi. Bon après, il y a toujours des gros clans qui font tout le tour de la map pour essayer de raid. Mais au moins, ça vous laisse le temps de vivre, de survivre, de créer une base, de se développer. Et là, je suis inquiet, c'est qu'en plus... Putain, il y a un coffre en plein milieu. Ça, c'est du troll de ouf. Hein. Tu te demandes s'il n'y a pas un piège même, tu vois. Je vais passer par derrière l'armurerie. On ira voir le coffre après. Et imaginez... J'ai un gros ralentissement. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans la ville. Imaginez vous avec des potes en train de squatter les fenêtres dans un bâtiment. C'est chaud. Hein. Il y a un lac de ouf. Hein. Il y a un lac de ouf, je peux rien faire même chez moi. J'ai l'impression qu'il y a Windows qui fait une mise à jour. Ah le bâtard.
Tu l'as vu de quel côté, Matsu? Ça y est, le lag est passé. Donc ça va passer chez vous aussi. Non, non, faut pas me tuer là, c'est moi la seule automatique là. Oh, t'es en train de me casser les pieds de la soif maintenant. Il y a un gros ralentissement de ouf, c'est bizarre. Hein. Je sais plus si c'est par ici la porte. Je crois que c'est celle-là. Ah, ça lag de ouf là, sérieux. C'est injouable. Même pour moi. Hein. Attendez. Je sais que ça vient pas de ça, mais. C'est juste pour pas avoir de problème. Il y a un gros souci là. Ah, je suis désolé, hein. Normalement c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on a. J'avais changé de matos pour pas que ça arrive. Ça faisait combien de mois que ça avait pas ramé comme ça? Allez! Je vais couper 2-3 trucs. Tac. Tac, je vais couper ça pour le moment. Ici, mais il y a une chute d'FPS qui est incompréhensible. Donc j'ai coupé 2-3 trucs de l'overlay, je remettrai après. En tout cas, ça a été loot, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. T'es sûr que t'avais vu un mec, Matsu? C'est un viseur, ça? Il est bugué? Ah ouais. Il apparaissait pas dans le. Quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le coin. Je vais prendre l'arbalète, parce que s'il y a vraiment un mec, même si c'est que des flèches de merde. Le coffre, il est là. Il peut sortir aussi par le Velux, hein. C'est un peu chaud quand même. Ouais. Non, ça, je pense que ça a été loot. Quoi qu'il y a le gun qui est très précis aussi. Hein. Je suis pas mauvais avec, avec le Glock. Hein. J'entends pas de bruit. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Bon, on va aller voir. Hein. C'est le moyen de savoir.
Ouais, je pense qu'il est peut-être parti, hein. Tu vois, là, c'est le genre de spot qu'il n'y a pas grand monde qui regarde comme ça sur les toits et je vais prendre des mecs par surprise. Allez, un Z. Bon, je pense qu'on est bon là. Je vais couper ça quelques secondes parce que je pense qu'il y a du monde dans le coin. Et techniquement. Ah non, si je capture. Si je coupe ça, c'est pas intéressant. C'est la webcam que je voulais couper. Mais ça serait con de louper le fight pour quelques FPS. Visiblement, ici, il y a un petit bug. Et comme ça fait longtemps que je suis pas revenu dans la ville. Là, j'ai pas le temps de faire les réglages. Ah, regarde, c'est pas très grave si vous voyez pas ma tête pendant 10 minutes. C'est les teams, les dernières teams, ça. Putain, il perd énormément d'eau, quoi. C'est incroyable. Bon, je vais lui faire faire le petit pipi vite fait. Ah, c'est peut-être parce que je bouffe que des trucs salés, quoi. Ah, avec ça et la canette. Après, j'avais une gourde militaire. Ah, elle est là. La gourde militaire, elle est pleine aussi. C'est vrai qu'il galère vraiment, le personnage. Hein. Ah, ben, on va rester comme ça, hein. Du coup, j'ai trouvé un viseur pour le MP5, hein. On avait besoin tout à l'heure. Bon, je pense qu'il y a. Le mec a dû partir. Peut-être qu'il s'est dit, putain, il y a un mec avec une automatique. Un mec avec une automatique qui arrive. Putain, il veut pas rentrer dedans. Super. Ce qui devait pas arriver arriva. C'est qu'au lieu de rentrer, il a sauté comme un con. Là, je viens de m'éclater la jambe. Oh, putain. Putain, y a encore les bugs, c'est incroyable. Vas-y, c'est relou là. Faut que je fasse quelque chose. Bon, au moins je saurais. Hein. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, franchement, ça va. Oh là là, vous avez vu tous les symptômes. Le mec, il est en galère, quoi. Bon, l'eau, ça va remonter. On va manger un petit bout. Il y a beaucoup d'eau dans ce truc-là. Donc, je mange ça. En plus, ça fait du. Ça libère du poids. Donc, soif, faiblesse, fatigue, douleur, nausée. Et maintenant, je suis carotte, je peux plus marcher. Oh là là. Bon, je vais patienter un petit peu, comme ça j'entends s'il y a du. Putain, elles sont toutes niquées les pompes. Hein. Il y a 6%, il faut que j'en trouve d'autres à tout prix. Hein. Sinon, il va être tout le temps blessé, quoi. Ça va remonter, donc ça c'est bon. Là, c'est difficile de le maintenir bien. Hein, parce que tout à l'heure, regardez, il y a à peine 20 minutes, c'était bon. Et là, c'est chaud, quoi.
Par contre, je suis en train de me dire pourquoi ça lag comme ça là. Je vais m'enlever la checkbox, je vais décocher tout maximum là. Je ferai des réglages après. Bon, là c'est revenu en positif. On va essayer de marcher hein, quand même. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis con. Ça répare qu'à 50, mais c'est vrai que t'as raison. J'y pensais pas, moi, à chaque fois, je les jetais. Mais c'est une très bonne idée, ça. C'est une très très bonne idée. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ça va mieux ou pas? Non, non, il boite, hein. Ça va la discrétion? Ah, ça va. C'est pas facile avec lui, hein. Ouais, c'est un coffre tout pourri qui se trimballe depuis. Ah, le canard boiteux là. Alors? Ça est fatigué. Bon, là il est blessé, il a une excuse. Hein. L'eau ça remonte tout doucement. Il a toujours soif. Bah, vas-y. Hein. Y a rien de mieux que de la vraie eau. Hein. Voilà. Ça par contre, les jumelles, ça va être très utile. Ça faisait longtemps que je voulais en avoir. Bon, je savais pas que c'était aussi lourd, mais on va faire avec. Ça, je vais le mettre dans le stockage. Ça, je vais lâcher du coup, même si ça pèse pas grand-chose, parce que maintenant j'ai trouvé des flèches en métal, ça c'est top. Yo, merci Junkie. Bienvenue. Merci pour le follow, mec. Ah, il est vraiment galère le personnage. Hein. Pop, pop, pop. Il y a une petite armurerie encore dans le compte, j'aimerais bien faire. Mais c'est vrai que Matsu, c'est rare qu'il se trompe quand il dit qu'il voit quelqu'un. Ah, c'est qu'il y a quelqu'un. Des points positifs par rapport à DZ? C'est dur, hein, parce que c'est vraiment pas comparable. Ce jeu est beaucoup plus difficile. Ça c'est clair que personne ne peut dire le contraire. Disons que DZ, c'est un petit peu plus pour résumer, hein, parce que moi j'ai joué aux deux. Ouah, ça lag là. Je suis désolé. Hein. D'habitude, ça lag pas comme ça dans la grande ville. Aujourd'hui, bah, on fera avec. Disons que DZ, c'est un petit peu plus arcade. Tu auras plus de PVP quand tu vas jouer une après-midi sur 2 ou 3 heures que sur Scum. Putain, c'est horrible. C'est quoi cette perte de FPS, quoi? Ouais, voilà, c'est ça. On peut pas, il faut que je quitte la ville, hein, c'est mort. C'est même pas jouable. Ouais, déjà, c'est beaucoup moins arcade, c'est plus difficile, c'est plus complet. Là, c'est vraiment beaucoup plus survie que DZ. On a DZ, j'y ai joué, c'est plus fun. Tu joues un soir, tu vas à Essaker, la map elle est super, elle est cool. Tu fais ton petit PVP, tu meurs, tu respawns pas très loin, tu arrives à revenir dans la même base. Ici, la map, elle est géante. Enfin, disons qu'une map de DZ, ça fait l'équivalent de ça, quoi. Et encore. Donc imagine la taille du bordel. Ici, bah, c'est beaucoup plus avancé. Tu as les véhicules type voiture, quad, moto, bateau. Tu peux pêcher, chasser. Tu peux tuer des animaux, tu peux tomber malade.
Un malade. Tu peux avoir la diarrhée, machin. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça. Le jeu est beaucoup plus. Yo, salut KO. Ouais, t'arrives à la fin du live. Et t'arrives pour une première fois sur un lag. C'est assez rare. Et disons que voilà, le jeu est beaucoup plus. J'allais dire, ouais, c'est un Walking Dead dans la vraie vie, quoi. Enfin, c'est vraiment tendu, quoi. Flèche en bois. Donc, quand est-ce qu'il sera plus blessé, là? Parce que là, ça commence à être très long. On va attendre la fin de la blessure, sinon on ne peut pas bouger. Déjà qu'il est très lent. Mais franchement, ça vaut le coup. Ouais, c'est plus réaliste. Ouais. Ouais, la ville était en PL, ça, c'est un truc de ouf. Des objectifs PVE, bah, ça dépend en fait. Soit tu peux jouer en solo, même pas en ligne, et puis là, tu découvres le jeu. Soit tu as des serveurs que PVE, donc tu croises des mecs, coucou, ça va, machin, tu veux qu'on fasse ça ensemble, et puis il n'y a pas de PVP. Et puis après, tu as les serveurs qui sont en gros. Le but, c'est de survivre, chacun pour sa gueule, et fais attention derrière toi, et fais confiance à personne. Et c'est vraiment très très chaud. Ah, y a rien, c'est vide. Ah, la ville est en PLS. Non, mais je pense que c'est mon PC, y a un petit souci. Hein. Enfin, je regarde, peut-être qu'il y a trop d'overlay sur mon stream. Le principe d'Event, franchement, c'est te taper un délire. Tu prends une arme, tu tires sur des mecs, et puis ça peut aussi augmenter ton aim. Bon, ça te permet de tester toutes les armes qui sont. À chaque arme a sa particularité. Et quand tu vas aussi en event, que tu utilises, bon, tu gagnes des points de fame évidemment, mais ça te permet aussi d'augmenter tes points de fusil ou d'armes de points si tu joues au gun, quoi. Et c'est exactement ça. C'est de la survie pure et dure, quoi. Enfin, dans le jeu tel qu'il est, hein. Après, tu as des serveurs où tu as des events et tout que les admins créent, mais c'est pas le vrai but du jeu, quoi. Elle est en train de se soigner là. Ouais, je me suis éclaté le pied, putain. Bientôt il pourra courir. Pour te décrire Scum, c'est imagine. Bon, je pense que tout le monde a regardé la série The Walking Dead, quoi. Mais imagine que demain, bah, tu te retrouves sur une île, t'as pas d'amis. Sauf si tu joues avec des potes. Hein. Et tu te démerdes. Voilà. Il faut trouver à bouffer, il faut trouver à boire, il faut trouver des fringues. Faut trouver des armes parce que les mecs que tu croises, bah, ils sont pas sympas. Voilà. Il n'y a pas de oh, coucou, non, je te laisse en vie, c'est mort. Ne fais confiance à personne. Si quelqu'un te dit, viens, je suis un pote, reste planqué et attends qu'il sorte, tu le tues, quoi. Bref. Il faut t'armer, il faut créer une base si tu as envie, ou vivre avec ton sac à dos et. Ce que tu as sur toi, tu peux planquer ton stuff, l'enterrer. Tu as des points de fame qui permettent de respawn pas très loin. Ou dans ton shelter, dans ton point de réparation. Mais ouais, tu as des serveurs RP aussi. Il y a tout, hein. Il y a vraiment tout. Mais la base du jeu, c'est ce que je viens de décrire, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Là, techniquement, bon, je sais qu'à mon avis, la ville est bug, donc il n'y a pas grand monde dedans. Mais dans n'importe quelle fenêtre que tu vois, il peut y avoir un mec qui campe et te buter, hein. C'est maximum sur le serveur officiel 64 joueurs. Alors ça paraît peu, mais comme c'est pas un jeu qui est que PVP, bah, en fait, t'es obligé de faire attention parce que tout le monde fait gaffe. Et tu peux te faire tuer de chaque coin de rue. Il y a des véhicules et tout, enfin, y a beaucoup de choses à faire. Tu connais pas les astuces, c'est simple à raid. Mais si tu fais une vraie base, que tu upgrades les murs, parce qu'il y a plusieurs niveaux de protection de murs, hein, et qu'en plus tu mets des cadenas, et que tu. Enfin, il y a des moyens de bien la protéger, tu peux faire des mines, des pièges, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais pour celui aussi qui veut raid, on peut tout faire. C'est-à-dire que tu as des détecteurs de métaux pour essayer de trouver les mines, pour les déterrer, il faut les désamorcer. Si tu n'arrives pas à désamorcer, bah tu meurs. C'est cash, quoi. C'est caché. Voilà. Tournevis, ça peut être intéressant pour crocheter des serrures. Bon, je pense qu'on reviendra pas dans la grande ville jusqu'à ce que je trouve le problème des lags. Mais il est addictif ce jeu. C'est un gros problème. Ah non, actif, bah c'est simple.
On est à la 0,6 du jeu. Attends, ça, je vais les prendre ça, même si elles sont en mauvais état. Et ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on est encore loin de la version finale. Et le jeu, tel qu'il est là... Attention, c'est pas du tout la même prise en main que DZ. Hein. Donc si tu lances le jeu pour dire « Ah ouais, mais c'est pas DZ », c'est normal, c'est pas DZ. Mais si tu prends le plaisir de jouer à un jeu de survie, que t'aimes la difficulté, galérer et compagnie, une fois que tu touches à Scum, tu retournes plus à DZ. C'est... J'aurais bien aimé trouver un véhicule quand même. Ouais, ouais, non, mais, bah, les devs, c'est simple. Wow, ça c'est intéressant. Pour mon MP5 que j'ai trouvé tout à l'heure. Les devs, c'est simple, ils sortent une mise à jour par mois. C'est à peu près ça, le rythme. De l'eau. Voilà. Tu peux faire pipi, caca, c'est très marrant. Hein. Tu peux laver tes fringues, tu peux les réparer, tu peux coudre, tu peux faire des mines, tu peux faire des... fabriquer tes balles, mais il faut avoir les compétences et tout. Hein. C'est... En fait, tu peux pas avoir un personnage qui ait toutes les compétences du jeu, c'est pas possible. Enfin, la batterie, j'aurais bien prise pour faire un piège, mais... Pff, je vais prendre une pack de pont. J'aurais besoin de faire des balles de 9 mm. Évidemment, je fais énormément de bruit pour changer. Ouais, mais on va dire, voilà, c'est une bonne moyenne. Une mâche par mois, c'est réaliste. Voilà, on ne vend pas du rêve. Oui, ouais, il faut aimer flipper. Ça, c'est clair et net. T'imagines, là, n'importe quelle fenêtre, t'as un mec, hein, et ça peut arriver. Quoi. Donc, des fois, tu relâches la garde parce que tu dis non, pas maintenant, pas aujourd'hui, quoi. Là, le serveur, là, il est full au moment où je parle. Alors, je sais pas dans quelle zone ils sont parce que c'est une nouvelle saison, un nouveau personnage et on découvre encore les coins. Mais tout à l'heure, il y a un véhicule qui est passé. Je sais pas s'il était 1, 2, 3 ou 4 dedans, mais je me suis planqué direct parce que j'étais pas équipé pour les fights. Hein. C'est pas obligatoire, mais si tu peux, c'est mieux. Parce que c'est un jeu qui bouffe quand même beaucoup de ressources. Hein. C'est très gourmand, mais parce que là on s'en rend pas compte, mais on est dans la ville. Mais c'est assez joli. Hein. Et un jour, si t'as envie de camper un spot, tu prends une baraque qui est au-dessus d'une armurerie. Là, il y a le ventre qui gargouille, il a encore faim. Et par exemple, tu vois, là, tu as la possibilité de mettre 3 serrures. Donc, tu as plusieurs types de serrures. Je vous montre rapidement. Moi, je peux en faire aucune parce que j'ai fait un personnage qui a aucun skill. Serrures en bronze, en argent et en or. Et plus elles sont évoluées, plus c'est difficile à crocheter. Mais 3 serrures, les mecs passent. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu as, allez, 40% des joueurs, je pense, qui n'arriveront pas à passer. Mais il faut surtout penser aux 60 autres %. Quoi. Donc même si tu squattes une baraque, il n'est jamais conseillé de garder ton bon stuff dedans. Il faut aller le planquer dans des coffres, il faut les enterrer, il faut se rappeler où ils sont surtout. Mais bon, tu as un petit logo, hein, tu sais où il est. Hein. Quand tu arrives à côté, tu vois une espèce de petite pelle pour le déterrer. Mais là, on fait gaffe parce qu'il y a toujours du passage dans le coin. Et après, tu as des serveurs où le taux de drop est aussi augmenté, donc c'est plus facile. Donc, si tu veux vraiment jouer en mode difficile, il faut aller sur les x1, voire maximum x2. Au-dessus, c'est beaucoup plus facile. Et là, je suis désolé pour les lags. D'habitude, il n'y a pas ça sur la chaîne, hein, pour ceux qui connaissent. Je sais pas pourquoi ça fait ça, là. C'est horrible. C'est limite injouable. Donc on va se casser d'ici. Quoique j'avais même pas vu l'heure, ça fait quoi 2 heures qu'on stream.
C'est con parce que je voulais faire le gymnase. Bon, là, il n'y a plus d'endurance, ça, c'est la galère. C'est incroyable. Bon, je regarderai ce que c'est. Ah putain, il y a un drone. Évidemment, ça pour la discrétion, c'est le pire. Parce qu'il y a un drone qui vient vous voir de temps en temps. Parce que l'histoire, c'est qu'en fait, t'as des mecs dans une télé-réalité. On a été jetés sur une île et que le meilleur gagne, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, de temps en temps, bah, t'as les caméras qui viennent te voir. Mais ça fait chier parce que ça fait du bruit. Et s'il y avait un mec pas très loin, il l'entend. Quand c'est de nuit, il t'éclaire la gueule. Enfin bref, on a station service. C'est full ou j'ai... Ah non, il y a un petit... Non, c'est full. Donc elle est pleine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicule qui est passé récemment. Le carburant aussi peut être utilisé. Il y en a qui campent la station service, parce que comme ça, dès qu'il y a un véhicule, bah, il tue les mecs. C'est très grand, mais franchement, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le jeu, ici sur la chaîne, je stream pratiquement tous les jours à partir de 4 heures à peu près. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, bon, là, la ville, c'est pas un bel exemple parce que c'est le coin qui rame le plus du jeu, mais la carte est énorme. On va peut-être faire un petit tour là-haut la prochaine fois. On va se faire ce bunker là qu'on n'a pas fait depuis qu'on a créé le personnage. Puis après, il y a beaucoup, beaucoup d'armes. Hein. T'as tout type d'armes. Hein. Automatique, snipe. Et les zombies, malheureusement, font très mal. Et là, comme je suis équipé comme une chèvre, bah, je fais toujours gaffe. Voilà, j'ai une arbalète fait maison. Elle n'est pas terrible, mais bon, il y a quelque chose. Ah, ça y est. Bah, après, je préviens souvent. Alors, j'ai une chaîne YouTube, hein, si tu veux voir, il y a même un guide qui explique ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est la vidéo qui est en, on va dire, en introduction sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, le problème du jeu, c'est qu'il est addictif. Hein. Si vraiment tu kiffes la difficulté, t'es parti pour. Bah, c'est simple, j'ai commencé il y a un an, je suis à 2000 heures. Voilà. Malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Et jamais tu t'ennuies, il y a tellement de trucs à faire, c'est le seul jeu où... Bon après, attention, hein. Faut pas oublier que si tu te mets à courir comme un pélo en plein centre-ville, tu vas te faire buter. Hein. Moi j'entends un mec courir, je le tue, hein. Y a pas de problème, donc il faut faire très 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 attention. Imagine que c'est t'as qu'une seule vie quand tu joues. Voilà. T'as pas deux chances, quoi. Pas de problème. Bah franchement, vous avez kiffé. Franchement. Hein. En plus, si vous faites ça à 3-4, faites-vous une petite base. Pensez. Franchement, écoutez les astuces parce que il n'y a rien de plus frustrant, c'est de faire une base, d'avoir farmé tous les cadenas, d'avoir mis les cadenas et de retrouver le lendemain, les portes sont ouvertes. Tu fais oh! Et là, tu l'as un petit peu. Tu l'as un petit peu comme ça. Quoi. La team Possard. La secte Possard, exactement. Bah, ça dépend du type de blessure que tu as. C'est-à-dire qu'il y a des blessures où tu es dans le coma, où tu peux être réanimé par tes potes si on se sent à côté. Il y a d'autres blessures où tu meurs. Donc quand tu meurs, je te montre ça vite fait parce que c'est intéressant. Tu vois, en haut à droite, j'ai 323 points de fame. Ça s'obtient en tuant des. Enfin, en jouant, voilà. En tuant des mecs, en tuant des aides, en fabriquant, en travaillant sur ton personnage. Quand tu meurs, tu as trois possibilités. Soit tu utilises 25 points de tes fame là-haut pour réapparaître aléatoirement sur la map. Bon, ça, c'est un peu la merde. Faut dire ce qui est. Surtout quand tu as une base et que tu as du stuff quelque part, bah, tu n'as pas envie d'aller à l'autre bout de la map. Après, pour 50 points, tu réapparais aléatoirement, mais dans le carré que tu choisis. Donc, bon, c'est déjà moins pire. Et puis, quand tu as un personnage normalement constitué, pas comme le mien, bah. En 5 minutes, 10 minutes, tu peux traverser le. Ouais. 10 minutes, tu traverses la case. Et après, pour 75 points, tu peux réapparaître dans ton lit. Il faut faire un lit pour.
Bah, si t'as pas de points, bah... tu l'as bien profond. T'as pas de points, bah, c'est aléatoirement. Tu es en négatif, tu passes à moins 25. Et tu respawn aléatoire. Et après, si ça te convient pas, tu peux te suicider. Comme ça. Pour retenter au hasard. Mais le problème, c'est que si tu es vraiment en négatif, tu peux plus rien faire. Tu peux plus crocheter de base si t'as pas de points de fame. Tu peux plus respawn dans ton lit si tu es en plein PVP, etc. Donc, faut faire attention, quoi. Après, si vous trouvez un véhicule, t'as tes potes qui viennent te chercher, avec un véhicule, tu traverses la map vite fait. Mais tu le gagnes vite fait, les points, hein, franchement. Là, on a commencé ce live. Alors, moi, ça monte très vite parce que mon personnage, il est nul, hein. Mais en gros, je devais avoir peut-être 240, quoi. À peu près. Il a encore soif, hein. Soif et faim. Hein. Là, on est en pleine galère, les mecs. Eh ben, on va manger, hein. Il faut faire toujours attention à la faim, bouffe, c'est très important. En fait, si tu fais pas attention à ça, si tu manges pas ou tu bois pas, bah, il peut tomber dans les vapes et en plein fight, bah, il s'évanouit, quoi. Et ça, c'est la merde. Quand t'es là en train de discuter, qu'il n'y a personne, t'es allongé en forêt, bon, pas très grave. Attends, il faut que je fasse gaffe parce qu'il va vomir ce con. Non, ça va. Mais quand t'es en plein fight et tout, t'as pas envie. Franchement, t'as pas envie. Ouais, effectivement. Pour ceux qui veulent tester un petit peu le jeu sur un vrai serveur, pas en solo, mais sur un serveur non PVP, il y a Nexus qui a un serveur qui peut permettre à certains de découvrir le jeu. Il y en a quelques-uns qui passent par là d'ailleurs. Et puis, il vous donnera l'IP sur le Discord. Vous venez, il n'y a pas de problème. Tac. Je vous mets ça. Comme ça, si vous voulez y aller. La chaîne YouTube pour les vidéos, le Discord pour les conseils et autres. N'hésitez pas. On n'est pas beaucoup, mais on est tous sympas. Va être malade à ce moment-là. Ils sont déjà périmés, les gâteaux, quoi. Bon, ça va, hein. Bon, hop, on s'est cassé de la ville. C'est un jeu même en basse qualité, résolution et tout, il est quand même assez beau. Putain, il y a un véhicule. T'entendais là? Là, un véhicule comme ça, généralement, c'est pas des mecs seuls, c'est des gros clans. Je voulais aller voir par curiosité, mais bon, c'est même pas une bonne idée. D'ailleurs, où est-ce que j'avais fait mon coffre? C'était pas par là, hein? Du coup, tout à l'heure, j'ai enterré un coffre parce que j'étais trop lourd pour faire simple. Il faut que je le retrouve, quoi. Ça me dit quelque chose ce nom. J'ai pas testé, mais ça me dit quelque chose. Je l'aurais testé, je serais dit oui tout de suite. Projet Zomboid. Je vais aller voir ça vite fait. Attends, laisse-moi deviner. C'est sur les zombies? Je plaisante. Ouais, non, ça me dit quelque chose et pourtant. Putain, je crois que j'ai fait le con. J'étais persuadé de me retrouver. C'est pas par là, là. Ah merde. J'ai l'impression d'avoir fait ça à côté de l'usine. Ah non, il n'y a pas de... Ah, y a pas de zombies. Ah, tu vois, je voulais faire le con. Bah non, je sais pas. Par contre, attendez, je suis emmerdé parce que... On est bien d'accord qu'on est arrivé par là, là. J'avais mis un blueprint pour retrouver mon coffre. Là, c'est toute la problématique du jeu. C'est que moi, c'est le côté difficile qui est comme ça. Hein. C'est que tout à l'heure, j'ai enterré du stuff quelque part. Bon, attendez. On est arrivé par là. On a vu les briques, blablabla. Il doit être devant là. Je me rappelle qu'on voyait cette maison pas très loin.
est un peu plus haut là. À moins que ce soit plus loin, mais. Bah franchement, je vais aller voir. Moi, j'aime bien les petites nouveautés, les découvertes. Ah, il y a Philou. Philippe. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ah, Philippe, c'est la mascotte de la chaîne. Hein. Bon, par contre, il y a quelqu'un qui se rappelle où j'ai enterré le coffre ou vous allez me laisser galérer comme ça tout seul là. Allez, bâtard, personne qui veut m'aider là. J'avais trouvé une bouteille d'eau tout à l'heure, vas-y. Je vais tout boire, je crois qu'il galère tellement. Alors, le jeu n'est pas aussi difficile que ça, c'est juste que j'ai fait un personnage, je le répète pour ceux qui arrivent, avec le minimum de skill. Hein. Ah, les escrocs. Mais non, mais on était à côté de... Putain, fait chier. Je vais être obligé de regarder mon replay. Pour me rappeler où j'ai mis mon coffre. Merde. C'est pas grave, de toute façon, j'en avais pas besoin pour là tout de suite. Je sais pas, j'étais persuadé qu'on voyait au loin ce bâtiment là. Je me suis même fait la remarque dans ma tête, j'ai rien dit sur le live. Je suis quand même mal placé, le mec à la fenêtre il pourrait me tuer, mais bon. Il y a le véhicule. Oh putain. Quand vous entendez ça, vous courez. Hein. J'aurais bien aimé voir si c'était le rouge comme le mec de tout à l'heure. Mais... J'ai plus de stam, putain, fais chier. Bref. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le loup aussi. Putain, il y a les loups. Bientôt, il y aura les serpents. C'est-à-dire qu'en pleine forêt, on va pouvoir se faire mordre par des serpents. On va avoir du poison. Ça va être la galère. Hein. En gros, t'as des mecs qui restaient à AFK dans les buissons, ils vont se faire bouffer. Hein. Ah, les loups, c'est des... Ah ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais... On était... Enfin, c'est pas possible. C'est peut-être plus loin, alors. Là, vous voyez, je suis en train de... galérer comme un con pour... Ah non, mais... C'était forcément ici, hein. Parce qu'on voyait une maison au loin. Ouais, ça se trouve sur la station de service, les mecs. Hein. Ah, ça, je sais pas. En fait, il faudrait limite faire un test, mais c'est trop long en solo. Mettre un coffre à une certaine distance, faire un personnage, voir faire le clic droit avec la perception et tout. C'est trop compliqué. Bon, c'est pas grave, je regarderai hors live. Où il était, je vais pas y passer une heure. Moi, de toute façon, le mien, il voit rien du tout. Mais par contre, il a un gros souci parce que depuis tout à l'heure, j'aurais pas de bois. Et c'est incroyable. Je vais me remettre à bouffer des champignons. Hein. Tout à l'heure, quand je mangeais que ça, il y avait zéro problème. Hein. Et là, vous allez voir, comme par hasard, il n'y en a pas ici. Non, pour moi, c'était largement avant le...
On la voit pas ici de la station de service. Mais bon, le mec qui est bien équipé, qui a un vrai snipe, tu peux te faire plaisir. Hein. Bon, bah je sais pas où j'ai mis mon coffre. Oh, bah, attends. Manger des larves, ça c'est bon. Tellement en galère. On va en profiter. Hop, si on peut survivre avec un peu de persévérance, regardez les girolles. Il est fatigué, on va en profiter pendant qu'il récupère. Putain, c'est quand même incroyable. L'eau elle remonte pas du tout quoi. C'est pas comme s'il avait trop chaud parce qu'il est. On a presque pas de fringues en plus. Allez, mange, mec. Bah, je pense que ça, en fait, elle est tellement périmée qu'elle donne plus d'eau. Donc, je vais le bouffer, ça fera ça en moins. Là, il y a de l'eau là-dedans. Je vais la boire aussi. Ça a du mal à monter, hein. C'est dingue. Hein. Vas-y, je vais m'arrêter jusqu'à ce que je remplisse l'estomac. Hein. Ça, il n'y a plus de problème d'eau, ça va augmenter. Ok. Franchement, je vous dis un truc, ça me fait chier d'arrêter le live maintenant parce qu'on passait un bon moment. Mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix, il est quelle heure là? Ouais, ça fait 2h20 de live, il est 18h40. On se retrouve sur demain 16h, 16h30. Donc pour ceux qui veulent continuer à avoir des petites infos, de la suite, etc. Demain 16h30. Et avec un tout petit peu de chance, mais on va dire que c'est plutôt 20% de chance, peut-être un ce soir. Voilà, je passe l'information. Si c'est ce soir, c'est aux alentours de peut-être 21h, 21h30, donc je verrai. Au pire, je me débrouillerai pour trouver mon coffre d'ici là. Mais voilà, je remercie à tous les nouveaux followers. Voilà, n'hésitez pas à Discord ou YouTube si vous avez des questions. Merci à vous, merci pour les nouveaux subs. Merci pour votre bonne humeur, c'était vraiment sympa, on a passé un bon moment. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, faites attention à vous. Je suis allé aujourd'hui faire El Vaccino sur le Québec. Ah ben, on a un deuxième Québécois parmi nous, enfin qui est peut-être pas là aujourd'hui, mais... Pas de soucis, merci de passer, franchement, vous êtes au top, merci à vous. Et je vous dis à demain, ou à tout à l'heure, et je vous souhaite une bonne après-midi, ciao, ciao, faites attention à vous, ciao, ouais. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus la webcam, vous voyez pas. Ouais, je vais régler les problèmes d'ici demain, ou ce soir, ciao, ciao les mecs. On a demandé un petit Philippe pour la route. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Allez, salut les mecs. Ciao, ciao. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con.